Hop là, bonjour. Alors un match de RTSL, mon cinquième contre Dounik, avec un pseudo que je ne lui connais pas d'ailleurs, il me semble, et une première main qui est pas mal. Enfin, ça manque un peu d'opération, mais Marshall plane. C'est un joueur contre qui j'ai déjà gagné deux fois par le passé, il me semble. Je crois l'avoir affronté et battu deux fois, mais c'est un bon joueur. J'avais plutôt des scénarios chanceux, il me semble, contre lui. Bref, je m'attends pas forcément à un match facile. En fait, ma main est pas ouf parce qu'elle est vraiment faible. CIA, c'est pas très bon de l'avoir moi. Warsaw, Cambridge Flag, au moins j'ai pas le scoring. Et s'il met une red square, j'aurais l'air un peu con parce que. Ouais, s'il met une red square, j'aurais l'air un peu con. Ah putain, socialiste, c'est guère mieux. Surtout s'il a. Norad. S'il a deck and cover, j'entends. Attends, est-ce que c'est ça qu'on va faire? Ouais, ça fait longtemps que. Fait longtemps que j'ai pas fait un Marshall setup. Hein. Ok, Yuan avec un coup. Et Naito. Bon, au moins je lui ai. Putain. Même si ça fait que ça va être un peu chaud pour l'Allemagne. Ouais, fidèle, du coup il est pas si utile que ça. Ouais, c'est pas une bonne main. Et maintenant j'ai quoi? J'ai. Putain. J'ai 5 d'opérations. 6 avec Nasser. Pas une main super. Vraiment, il a fait un 2 à son coup, je peux pas trop me plaindre sur ça.
peur qu'il a pas d'estal. Je vais attendre avant d'aller en Allemagne de l'Ouest parce que j'ai trop peur qu'il me fasse un... Il reste 4 coups à jouer. Qu'est-ce que je fais? CIA plus 1. CIA, ça, putain, je vais même pas pouvoir prendre la taille, non, ça pue. Ah, mais combien qu'il y a au middle east? 1. Il l'a pas. Putain, relou. Ouais, parce que là... Alors, est-ce que ça va être 1 en Allemagne? Alors, je vais nasser de toute façon pour mettre 1 en Allemagne. S'il veut me casser l'Italie, il peut le faire assez facilement, mais en même temps, il y a Truman, doctrine qui peut revenir. En espérant un meilleur deuxième tour, parce que cette première main, malgré Marshall, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible, et surtout, c'est pas du tout au niveau. Oh, putain, il a sérieusement, il a des stalles. Ça c'est un peu mieux, c'est clairement beaucoup mieux même. Je vais peut-être me permettre de lutter un peu.
c'est un début quand même assez désastreux, on va pas se mentir. De plus chiant ce niveau là, middle east, c'est relou. C'était de Gaulle. Je raconte, j'adore space et décolonisation, ça me fait un peu chier. Donc, j'ai deux cartes à 4, mais ensuite j'ai que des G3 et un space. On va le faire avec nucléaire Tesban. Ouais, là il peut très facilement, s'il a les bons timings sur les scoring en Amérique centrale du Sud, je pourrais rien faire. C'est quand même un peu chaud. Bon, il a loupé ça. Ouais, je crois que je joue Romanian avant, je suis bête. Clairement du jeu Romanian.
Clairement, je vais remettre 1 en France parce que j'ai pas envie qu'il me fasse un coup en traître avec le scoring. De Gaulle. Après, si la sauce goff, je peux rien faire. Putain, en plus, la France va pas tomber ce tour. L'Europe va pas tomber ce tour-ci, je le sens. Ou il va me sortir un 5-year plan. Dans tous les cas, je vais me faire niquer. Comment est-ce que je peux faire ça? De reprendre le risque. La Thaïlande aussi. S'il ne le fait pas. Nul. Donc qu'est-ce qu'il a? Il a l'Asie, il a la garde pakistanaise, il a NORAD, il a Special Relationship, il se plaindra si ça a été joué, Independent Trade c'est moi, Coréen Noir c'est lui aussi, et j'ai De Gaulle et Arabie Israéli. De nouveau US-Japan, second cover, qui est quand même une headline qui est pas mauvaise. Allez, ça va être la guerre, hein, mais bon, en même temps, j'ai pas envie pour modifier juste de 1 faire ça. Je prends le risque. Donc qu'est-ce que j'ai pas de mauvaise main, mais ça va quand même être compliqué. Stop and unrest. De Gaulle, j'ai pas le jouer. Suez, pas forcément. Cécile, spacer deux cartes en fait, je pense. Ouais, j'ai complètement essayé de spacer deux cartes. Un carré israélien plus Suez et je garde De Gaulle, ce serait pas mal. Ouais. Faut
beaucoup moins nécessaire de garder deux goals d'un seul coup. Ah oui, c'est vrai que ça n'a pas été joué cette carte. Tant pour moi. Oh putain, il avait Red Scare, bordel. Compliqué, bordel. Ah putain, il avait une belle liste aussi. Quatre, trois, ça va être chaud quand même. Il a la vie. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut jouer la China card, protéger. 1, 2, 3, 4, 5. S'il fait ça, il protège quoi qu'il arrive. Il faut que je sois un peu agressif sur le coup. Pas grand chose que je puisse faire contre lui, et là ça c'est celle là du jeu. Il a clairement eu des bonnes mains et un bon timing des cartes.
sérieusement. Ah, ils s'en tirent bien. Aller en Amérique centrale pour une bonne raison, c'est que j'ai pas du tout envie qu'il me... Bon, je vais manger ça aux Américains. Et je vais tenter à aller. L'Italie, c'est ça. Mais techniquement parlant, si je me débrouille bien, je peux avoir une domination, pas une domination de l'Afrique. Faut que je fasse IBM Treaty, puis que j'enlève là. Si tout se passe hyper bien, je peux dominer l'Afrique, mais j'y crois pas. Une main de merde en fait, enfin ma main n'est pas du tout modulable, c'est chaud. Scoring. Là, au bout d'un moment, je peux pas non plus faire des miracles. Hein.
c'est... un peu compliqué quand même ce genre de scénario. Putain, bien sûr, il réussit. Bah oui, pourquoi pas. Ça fait le troisième match d'affilée où je me tape que des trucs de merde. Putain. Alors, le fait que la Voice of America arrive tour 4 mais qu'elle soit pas si puissante, ça en dit assez long quand même. Je vais même pas pouvoir scorer la domination. Il m'a manqué un d'opération pour ça. Allez, putain. Et en plus, il n'y a plus Favier Plan, donc je peux pas le niquer. Le seul moyen que je puisse le niquer, c'est... Ouais, bah d'accord, il n'y a pas Grind non plus. Pour tuer dans l'espace, pour peut-être avoir sa headline. Il est clairement une bien meilleure main que moi. Pas incroyable comme main en plus. Pas du tout incroyable. Putain, ouais, c'est de la merde. Sérieusement, j'ai 4 cartes rouges, 5 cartes rouges. Je vais devoir me faire un quagmire.
Qu'est-ce que je suis censé faire avec cette merde? Ouais. Ça fait 3 matchs d'affilée où je me tape des scénarios de merde, ça commence un peu à être fatigant, je dois dire. Je commence un peu à en avoir marre d'avoir de la malchance durant tous ces matchs. Je vais pouvoir le jouer gratuitement, ça c'est bien. Il faut que je space deux cartes. Je peux même plus spacer ces cartes là. Allez, d'accord. Je space Quagmire et que je joue Libération Theology. C'est pas terrible. Ou je joue Quagmire, mais bon, c'est très risqué aussi. Putain, ça va pas vraiment lui servir, mais quand même. Risqué comme coup, honnêtement, ça je suis pas fan de jouer Cambridge 5 maintenant. Si la CIA il s'en débarrasse comme ça.
Ok, si, hein, en plus c'est même plus intéressant de récupérer de China Card. Ouais. Il va vraiment me falloir beaucoup de chance pour compenser tout ça. Juste des mains trop compliquées à gérer dans cette partie. Celle-là se tenait, mais il avait aussi une bonne main. Là, il avait clairement pas une mauvaise main, même s'il était sur Red Scare, et là, il avait une super main. Ouais, c'est surtout ma première main, en fait. L'Europe en plus, enfin bon, laisse tomber, à moins que j'ai une brochoire, quelques trucs chanceux, mais sinon. J'ai juste pas eu le scénario pour pouvoir gagner. Et une brochoire, ça me fait perdre 2 points de victoire. N'a pas été joué par l'événement, il est juste défaussé. Franchement, je peux faire rien sur progrès à ce niveau-là. Toujours pas de quoi reprendre l'Europe, ça me saoule. Ma plus haute carte elle est à 3, et c'est du tour précédent. Qu'est-ce que je suis censé faire contre ça, honnêtement? Ouais, bon, j'ai perdu quoi. Y'a pas. Y'a pas 15 000 manières de le mettre. Hein. Je vais même pas pouvoir spacer en fait. Je vais rien pouvoir faire. Colonial Regard, est-ce que c'est vraiment utile comme carte? Ouais, si, ça peut quand même le faire chier. Je vais devoir me défausser de ça. Le nombre de cartes où j'ai eu des mains de merde. Le nombre de mains, ou plutôt j'ai eu des cartes de merde. Tant que j'aliène des, bon, moi j'ai pour lui foutre la pression. Et pour le jouer gratuitement.
Panama, ouais, non, mais j'ai toutes les cartes, hein, en fait, c'est pas possible. Willy Brandt. Quelle blague. Foutre un peu la pression. Donc je vais garder Willy Brandt, jouer à Europe pour l'événement, mais putain, mais il n'y a aucun événement, enfin sérieusement j'ai l'impression qu'il n'y a eu aucune carte problématique, c'est ça qui est chaud quoi. C'est ce genre de partie, c'est ce qu'elle nous vient de m'en dire. Bien sûr, il l'a. Un peu comme ça. Il m'aurait fallu une brochoire. Sans la brochoire, je suis mort. Ouais, enfin bon. On fait avec. Ça aurait pu marcher, hein. Pff,
Putain, c'est maintenant que j'ai brochoir, génial. Cela dit, qu'est-ce qu'il a lui? J'ai Nuclear Test Ban, j'ai Naito. Ça me va perdre 2 points de victoire cette merde. Mais je vais pouvoir tenter de reprendre le Mexique. La Messeline, putain. Il va falloir que je space Sochi. Putain, j'ai un gunman, enfin laisse tomber quoi. Plutôt faire missile en vie. Avoir sa Muslim Revolution. Il met un en Angola en plus. Ou en Guatemala plutôt. Tant pis pour l'Angola. Quoique. Il le fait peut-être pas pour rien quand même. Le scoring maintenant. Mais bon, au cas où il a l'Afrique, je peux pas risquer. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a Wyland. Cinema Candy Squad, ça a été joué. Nixon, ça a été joué. Kitchen Debate, ça a été joué. Europe, ça a été joué. Ok, il l'aurait donc. Nigeria, l'autre. Ouais, je sais.
Ouais, non.
Bon bah voilà. Le final scoring était contre moi. Enfin. En fait, il n'y aurait pas eu tous ces scoring avant. Sur le board, le board était relativement équilibré, mais bon, il y avait les 20 points avant. Allez, on va y aller. Merci d'avoir suivi, et bon, bah, peut-être que le quatrième. Peut-être que le quatrième match, après trois défaites d'affilée, peut-être que je vais enfin en avoir un qui est pas abominable. Je sais pas, on verra. Allez, au revoir.